médiation culturelle occupe une place importante au sein des maisons de la culture de la ville de Montréal. Elle permet de tisser un lien privilégié entre le public, l'œuvre et l'artiste. Une soixantaine d'offres ont été reçues pour le projet de médiation Nos Maisons. La compagnie Les Impairs a été retenue pour développer son spectacle déambulatoire À cœur offert, afin de briser l'isolement lié à la pandémie. Tout l'été, cette compagnie de théâtre a rejoint différents publics dans 5 arrondissements. La compagnie de théâtre Les Impairs est formée de 10 artistes de la relève. Depuis 2019, ils proposent une vision expérientielle du théâtre grâce à la participation active du public. Le DJ. Une rencontre musicale où les résidents pouvaient contrôler chaque changement de musique. Une discussion était engagée avec les participants afin de connaître leurs goûts musicaux, allant de leur jeunesse à la musique d'aujourd'hui. Je t'aime. Il n'est pas facile d'offrir son cœur à une autre personne. Cette jeune femme raconte son histoire et cherche à savoir à qui avez-vous déjà dit « je t'aime ». Le voyage. Une jeune femme raconte différentes anecdotes sur son voyage rocambolesque au Vermont. Auriez-vous acheté le même souvenir? La baleine. Cet artiste nous livre un poème par la danse, le tout sur une trame sonore de mer, accompagné de bruits de baleines captés par un radar. Hercule. Un jeune homme raconte l'histoire de son film préféré, c'est-à-dire la véritable histoire d'Hercule. Un homme pas si sympathique après tout. Et vous, quel est votre film préféré? Après le déambulatoire, une rencontre entre les résidents et les artistes avait lieu dans le but de créer un pont avec tous les participants au projet. Les impairs leur demandaient un conseil qu'on vous a déjà dit et qui vous a marqué. Une rencontre significative que vous avez eue. Et puis, un conseil que vous donneriez à quelqu'un. La Maison de la culture de Rivière-des-Prairies souhaite remercier le CHSLD Marie-Victorin et la résidence Lionel Bourdon pour leur accueil chaleureux, ainsi que la troupe Les Impairs pour leur grande implication.